Et bonjour, donc c'est parti pour un nouveau jeu de cartes cette semaine, le Bicycle Trusted Science 1885, mais c'est le Botanica, donc ça c'est les séries à chaque fois, 1885, pardon. Donc il y en a plein qui sont dans cette série-là, mais son nom c'est le Botanica. Allez, donc c'est parti pour la phase de l'étui, donc c'est des jeux qui sont un petit peu, j'allais dire martelés, là, gaufrés comme on dit, voilà. Donc l'étui en lui-même est sympathique. C'est un bel étui. Allez, le dos de l'étui correspond effectivement au dos de la carte. Voilà. Donc, si je bouge un peu, peut-être qu'il y aura des reliefs. Bon, devant, pareil, toujours un peu le même design. Sur le côté, toujours que c'est de la carte Hercutium, comme on voit comme d'habitude. Ce coup-ci. Le titre, le nom du bicycle, et puis après le reste, ça change pas. Donc à l'intérieur de cet étui, qu'est-ce qu'on va recevoir? Bien évidemment, le jeu, avec les deux jokers de couleur. Donc il n'y a pas de joker garanti, mais du coup on a deux jokers identiques, sauf qu'il y en a un qui est de couleur. Pour faire un change de couleur, ça peut être sympathique. C'est le joker classique, ouais. Une carte, comme par ton habitude, qui est une carte double dos. Donc ça, ça change rien. Une carte publicitaire. Et je crois que c'est tout sur ce jeu-là. Ouais. Allez, si je l'étale, on voit ça à l'étalement. Donc ça reste un jeu à bordure blanche, hein, même si techniquement, il n'y a pas de bordure délimitée. Mais... on a quand même les bordures qui sont blanches. Et au niveau de la face, ça donne ça. Donc là, rien à redire. On est sur du design entièrement bicycle. La preuve, hein, dès qu'on l'étale, on reconnaît tout de suite nos cartes. Ça reste un très beau jeu. Il est très beau. Allez. Donc l'as de pique. Alors c'est pas du noir hein, qu'il y a dedans, c'est un genre de bleu marine et un marron, marron très clair, rouge marron. Et c'est pas du noir, la carte n'est pas noire. Hein. Voilà. Allez, donc c'est parti. Voilà, je vais les passer assez rapidement hein, puisque là on connaît ce design là, ça reste de la carte classique. C'est juste le dos, on va dire, qui va changer. Bien évidemment, le dessin, enfin la couleur sur les figures. Puisque bon, on est sur de la carte de base, mais du coup ça nous change un petit peu d'avoir des dos comme ça nous, donc ça nous fait plaisir en tant que magicien. Allez, donc là comme on peut voir, les rouges ne sont pas rouges, ça fait un petit peu comme les toutes ces couleurs de marron là qu'ils mettent maintenant sur tous les jeux. Bon, ça passe très bien, il n'y a aucun souci. Là, la seule différence de ce jeu, c'est tout simplement la couleur des cartes intérieures et le design du dos, tout simplement. Alors, j'ai pas trouvé d'asymétrie aussi au niveau des dos sur celui-ci, donc je considère qu'il n'y est pas. Même si, bien évidemment, à chaque fois, je pourrais les en louper, bien sûr. Par l'as de cœur, donc là rien de particulier à part l'as de pique, encore une fois, qui est le plus dessiné et qui ressemble donc étrangement au dos. Et voilà, hop, on va les faire un par un. Après, le jeu en lui-même au niveau du dos est quand même sympathique. Voilà, donc ça c'était une petite présentation du jeu Bicycle Botanica.